On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes lundi et vous savez que le lundi c'est unboxing. Alors aujourd'hui unboxing avec la boutique VIP Cross Stitch. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je crois, ça, euh, enfin, petit moment. Tout est relatif. Alors aujourd'hui, euh, je vais vous présenter deux broderies. Voilà. Alors il y en a une qui sera avec des fils. Euh, de soie ce ne sont je rappelle que ce ne sont pas des vrais fils de soie mais la texture est la même et euh, une autre broderie euh, normal <laughs> voilà euh, pour ça on va se mettre face bureau comme ça je pourrais mieux vous les présenter et on se retrouve tout de suite voilà le premier kit donc je vous montre tout de suite l'image, un joli panier rempli de jolies roses, un peu, ça fait un peu vintage. J'aime beaucoup ce modèle, il est très joli. Et donc celui-ci c'est le modèle avec les fils euh, pseudo soie, c'est-à-dire ce sont des fils en polyester. Il faut pas confondre, hein, ça marque euh, fil de soie mais c'est du polyester. Voilà. Euh, Celui-ci, alors celle-ci de broderie, alors c'est bien parce que vous avez l'image, euh, elle est autocollante, donc si vous faites un carnet de broderie, bah vous pouvez récupérer l'image. Euh, celle-ci est en 11 CT, voilà. Donc elle fait 74 sur 53 cm euh, en toile complète. On a bien sûr un patron. Alors, on a d'abord une feuille. Là. Je vais regarder ce que c'est. Oui, c'est la feuille. Euh... Voilà, comme ça. Je pense qu'il fait un peu noir. Non Voilà. C'est peut-être mieux, je ne sais pas. Euh... Non, ce n'est pas mieux. Oh, que ça m'énerve, ça. Bon, j'arrive. Bon, voilà. Ouais. On va rester comme ça. Ah, ben oui j'ai pas mis le flash. Voilà, on voit mieux. <laughs> Excusez-moi, c'est les aléas de la technique. <laughs> Alors, on a une petite feuille d'instruction. Bon, c'est écrit en anglais, mais euh, c'est tout à fait compréhensif. Euh, là, on vous dit, par exemple, en CT, vous faut trois fils, 14 CT, 2 fils. Comment il faut choisir, euh, prendre ses fils par rapport au patron. Et euh, comment repasser, laver sa broderie. Mais ça, c'est toujours la même chose. Alors, on a d'abord un patron. Alors ça, c'est bien. Euh, papier. Alors il est donc dans ce sens-là, voilà. Euh, avec une, deux, trois, quatre, cinq, six, huit pages, voilà. Donc il y a huit pages pour faire cette broderie et elle est vraiment très, très, très bien imprimée, euh, très lisible. Euh, c'est imprimé très grand, donc ça c'est pas mal. Euh, par exemple, si là c'est de l'estamper, c'est sur une toile 11CT, mais vous avez envie de la, de la refaire sur une toile plus fine avec plus euh, que deux fils ou un fil, euh, ben, vous aurez la possibilité puisque euh, là, là le, le patron est vraiment très très bien expliqué. En bas on a euh, la légende avec les couleurs. Donc, on a 26, 26, non, plus 34 couleurs. Voilà. Hop, on a 34 couleurs. Et euh, ça ne se fait que avec du point de croix. Voilà. Donc, ici, vous retrouvez l'image. Et là, le nombre de points. Voilà. Comme ça, si vous, fait, vous voulez faire sur notre toile, vous avez possibilité de calculer euh, une autre toile pour, euh, pour faire cette broderie. Euh, je vous ai mis une vidéo il n'y a pas longtemps comment calculer sa, sa toile. Voilà. Bon, hop, je... Ensuite, alors, on va avoir les fils. Voilà. Oh. Alors, ils sont très très beaux. C'est des fils, euh, je vous dis, en polyester. Hein. Alors, on a un petit toolkit. Voilà. Avec le petit pompon, avec... Euh, il doit y avoir cinq... Euh, J'en vois quatre. Bon, quatre ou 5 c'est... Ça va, c'est quatre, c'est déjà bien. Avec un petit pompon, un enfil... Un enfil aiguille. Et le petit anneau en métal pour mettre sur le doigt qui ne sert à rien. Ah, ben, il y a encore, une, il y a encore des aiguilles ici. On en a encore deux ici, sur la toile. Donc, en tout, vous en avez six. Alors, les fils. Hop. Alors, on a déjà... Oh, voilà. On a un paquet, voilà, avec... Euh, bon, je ne vais pas les enlever, je vous les montre comme ça. Des échevettes euh, supplémentaires, enfin des grosses échevettes supplémentaires. Voilà. Oui, avec les couleurs, euh, les couleurs vont être très très belles. Hein. Vous voyez vraiment très très belles. Et ici, on a le reste des couleurs. Hop. Alors, c'est du fil qui vit. Ça, hein. <laughs> c'est un fil qui va bouger, euh, qui est très très doux. Voilà, je vous dis, ce n'est pas de la vraie soie. Hein. Euh... De toute façon, ce serait de la vraie soie. Vous n'auriez pas à, au prix que je vais vous donner après. Euh, hop. Voilà. Je les remets bien avant de vous les montrer. Voilà. Donc, c'est un fil, vous voyez, qui bouge beaucoup, euh, qui est vivant, on va dire. <laughs> Mais il est d'une douceur. Euh, il est vraiment magnifique. Alors. On va agrandir pour vous montrer les couleurs. Voilà. Regardez, ici, il y a un argenté, du noir. Même le noir, il est magnifique. Vraiment, de très jolies couleurs. Là, on a comme un doré, voyez voilà. Alors, ici, euh, il va vous falloir quand même de la patience hein, pour le, le broder parce que il va vous falloir le faire avec trois fils. Et comme je vous ai dit, c'est un fil qui bouge beaucoup. Donc, euh, si vous voulez le faire sur la toile d'origine. Euh, il vous faut de la patience quand même. Hop. Alors, oh là, elle est grande la toile. Je ne la voyais pas si grande. Euh, bah si, bah, de toute façon, elle fait 74 sur 53 en, en totalité. Euh, donc, voilà. J'essaye de vous la montrer en entier. C'est un peu compliqué, mais voilà. Euh, donc, c'est du 11 CT voilà euh, ce bloc je vais vous dire que c'est assez bloc euh, c'est une couverture totale donc il y aura tout à broder voilà niveau impression bah écoutez hop, je vais vous agrandir niveau impression il n'y a pas de, de soucis c'est bien imprimé c'est bien centré dans les, entre, les, entre les points. Voilà. Hop. Alors, euh, je ne sais pas si elle existe aussi en point compté. Je, je ne sais plus. Euh, mais euh, voilà. Si vous avez envie de la faire en point compté, il n'y a pas de souci puisque de toute façon vous avez, euh, vous avez un patron très très lisible. Euh, donc euh, voilà. Moi je trouve qu'elle est très belle. Bon le 11 c'est euh, plus pour le vrai coton on va dire, mais si vous avez de la patience, il euh, n'y a pas de problème pour le broder. Voilà. Alors la toile est, est pas trop rêche, voyez, ça va. Euh, donc c'est bon. Mais je la voyais pas si grande. Voilà. mais bon de toute façon si vous le faites sur une autre toile par exemple euh, votre euh, vous pouvez choisir une toile plus petite si vous votre toile sera automatiquement plus petite si vous voulez la faire par exemple en, en aida 7 8 ou si vous voulez prendre de l'étamine ou du lin euh, voilà mais euh, c'est une jolie broderie avec des fils tout doux voilà alors je les remets ici voilà. Alors euh, cette broderie je vous remontre le dessin cette broderie est au prix de 14 euh, euh, dollars 69 voilà deuxième broderie alors ça va être également une 11 ct mais là ce sont avec des fils de normal de coton on va mais euh c'est pas la, la façon euh, de rangement de fil qui nous plaît le plus. voilà. on a également un petit toolkit. voilà. avec les cinq aiguilles, l'enfile aiguille, le petit anneau. on a un patron. alors, ça, c'est toujours ce qui me fait peur sur ce genre. <laughs> oh, ça va. ça va. Mauvaise langue, je n'ai rien dit. Alors, hop. Je vous montre le dessin d'abord. C'est Winnie l'ourson qui se tape un petit hamburger, voilà. Alors, il y a toute une série. Euh, toute une série euh, avec Winnie l'ourson. Euh, il mange l'hamburger, il mange une glace, il fait... Il y a, il y a toute une série euh, sur ce thème. Euh, tous en c'était également. Voilà, c'est exactement les mêmes, mais le dessin change. Et c'est toujours avec Winnie l'ourson. Alors, on va avoir 34 couleurs. Voilà, le fond se brode euh, à l'origine, mais vous n'êtes pas obligé de le broder hein, si vous n'avez pas envie. Euh, je trouve que pour ce genre de broderie broder le fond euh, empêche de faire bien ressortir le dessin mais bon ça c'est mon avis à moi euh, niveau impression sur le patron bah écoutez ça a l'air d'être pas mal hein. voilà je vous montre bon c'est un petit peu confetti hein, mais euh, ça va Donc, on a... Est-ce qu'on voit... Oui, ses yeux sont là. Là, ses sourcils. Son, son petit nez, il est là. Donc là, il y a sa, le reste de son nez. Alors, sa langue est ici. Bon, le hamburger, ça va. On le voit. Ça a l'air d'aller... Il y a des fraises ici, le gobelet là, voilà. Enfin, la gourde, bon, ça, je pense que ça peut être pas mal. Alors, dans quel sens il se plie, c'est comme ça. Voilà, et niveau toile, alors, comme je vous ai dit, c'est une 11 CT. Voilà. C'est 50 sur 50 cm en taille euh, complète, donc ça doit faire à peu près du 45. Alors attendez, on va mesurer avec ma grande règle. Je pas mesuré l'autre, mais on enlève toujours au moins 5 cm. Ouais, 43. Vous voyez 43. Par contre, là, ça me paraît un peu plus grand. Je ne sais pas. Ah non, c'est pareil. 43,5 sur 43,5. Voilà. Euh, ben là sur la toile, vous voyez, on voit bien sa bouille. Là, son bras. Euh, ouais, non, ça, ça a l'air d'aller Alors niveau impression, bah ben, écoutez, il n'y a pas de... L'impression est bien centrée. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Alors, un peu, je vous dézoome. Euh, les fils, maintenant. Alors, de cette façon-là, c'est toujours compliqué de les montrer. Bon, je vais faire au mieux, mais... Euh, excusez pour le bruit. quand c'est comme ça alors je ne vais pas enlever le l'élastique je vais essayer de vous les montrer au mieux comme ça oui. bon, on a des couleurs euh, des jolies couleurs hein, assez pétantes voilà bon ça c'est pour le fond voilà voyez euh, le fond va être tout en blanc comme ça en blanc cassé euh, je trouve pas ça utile, mais bon, des oranges. Il ya du noir, bien sûr, du vert, différents marrons, euh, des marrons glacés. Il ya du bleu. Oh, pardon, je recommence du orange, du jaune, du vert, du marron, du du un un marron qui tire un peu sur le violet également. Il y a du noir, il y a du rouille ici. Voilà, du bleu. On voit différents bleus, et les rouges du bordeaux. Voilà, hop! Donc, c'est des jolies couleurs. Hein. De toute façon, là, c'est je vais vous mettre l'image vous verrez que la au niveau bon des fois l'image et le résultat qu'on a par rapport aux couleurs n'est pas tout à fait la même chose mais euh, voilà. Alors, ce kit donc broderie estampée en CT 50 sur 50 cm est au prix de 13 dollars 70. Voilà. Euh, bah écoutez, j'espère que ce que je vous ai présenté vous plaît. Voilà, peut-être que vous les avez déjà fait, peut-être que vous avez envie de les faire. Je vous rappelle que Winnie l'ourson, il y a toute une série euh, avec lui. Il doit y avoir cinq ou six modèles, je crois. Euh, donc, n'hésitez pas à aller voir euh, sur le site. Moi, je vous remets un code promo que je n'ai plus en tête, mais je vous le remets là à l'écran. Euh, pour que vous puissiez l'utiliser, à chaque fois que vous commandez chez VIP Crostiche, vous pouvez utiliser ce code promo. Donc n'hésitez pas. Et euh, moi, je remercie beaucoup la boutique VIP Crostiche et je vous remercie tous également d'être toujours au rendez-vous. Et je vous dis à bientôt. Voilà, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt! Bisous, bisous!